Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du LP Découverte sur écologie. Je vois qu'on a encore un panneau à l'étage qui est cassé. Et aujourd'hui, je vous introduis des nouveaux. Hein, on en avait déjà deux, mais j'ai changé ceux qui sont d'occasion par des qui coûtent cher. Je me dis que peut-être au niveau qualité et niveau de volume d'eau, ça va peut-être être mieux. Parce que là, on avait du mal à s'en sortir. Pour deux personnes, deux machines, ça n'allait pas. Autre chose. Nous avons quelques petits bacs à fleurs qui sont apparus, dont un, il y a un joli arbre. Alors c'est purement décoratif, hein, ça ne va pas apporter de fruits ni rien du tout. Mais c'est pour rajouter un petit peu de verdure au coin ou à la maison. Voilà. Le pot de fleurs, il est monté ici. Et puis c'est déjà pas mal. Donc maintenant, on va attendre qu'il se lève tout simplement. Et Sacha va goûter à la salade que son frère a faite à la dernière fois. Je vous rappelle qu'on avait trouvé ce frigo dans les ordures. Elle l'a réparé et maintenant il trône fièrement dans notre petite cuisine. Et du coup, on va enfin pouvoir faire à manger du frais, du bon et finir les muesli, quoi. On en profite aussi pour améliorer directement le contenant des nouveaux récupérateurs de rosée. Pendant que lui nous fait un petit guéridon. Bon, on voit pas l'image ici, mais... Petite table guéridon. Et c'est niveau 6 de bricolage pour Sacha. Tiens, tiens! Nox nous demande. Oui, bah oui, vas-y, carrément, même, bien sûr. On va t'inviter à. Tu peux utiliser notre déchiqueteur, pas de soucis. Bah, v'la baisse maintenant. Non, mais toi, si, à part si c'est pour nous donner des nouvelles de notre investissement, tu peux te barrer, quoi. On s'en fout. Allez, on va tenter le raisin cette fois-ci dans la machine pour faire des pétilleries. On n'avait pas essayé le raisin encore, je crois. Allez, la petite usine est à plein régime là, hein? Tout le monde est affairé. Oh là là, ça fait du bruit tout ça. Jonah! Jonah, Jonah, Jonah! Mon petit Jojo, mon petit Nana. Eh ben écoute, Sacha, c'est bon pour toi. Tu vas pouvoir réparer. Et Jonah, eh ben écoute, mon petit, qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben tu vas aller chercher des trouvailles, des trouvailles et des trouvailles dans la poubelle. J'ai enfin l'interaction, se renseigner sur les résultats de l'investissement. Donc, en fait, je peux le faire qu'avec Jonah. Je pense que c'est avec Jonah que j'avais fait. Et du coup, bah, on va pouvoir lui demander des comptes. Oh, on a trouvé une télé vintage. Ah, oh, trop, trop, trop cool. Ouais, d'accord. J'aurai bientôt plus d'informations. C'est ça, ouais. Ah bah maintenant, c'est Tina qui vient squatter. Ah non, recasse pas la machine. On vient de la réparer, hein. Ah, je te préviens. Wow, il a trouvé des chiottes! Des toilettes à la vampire! Ah, oh, c'est énorme! On a trouvé une plante avec le pot en forme de chat. Magnifique. Tu vas où, toi, avec ton vélo, là? Qu'est-ce que tu fais? Il rentre à la maison? C'est pas si loin que ça, déconne pas. La boisson à base de raisin est donc juste un jus de fruits, donc c'est super. C'est pas chelou. Tout va bien. Oui, monsieur? Ben, on se connaît pas, mais bonjour. Mais ils ont tous des tablettes. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils ont... Tous les PNJ ont des tablettes, quoi. Sinon, niveau plan d'action dans le quartier... Pour l'instant, c'est support technique et un esprit sain dans un corps sain qui sont en train de mener la danse avec jardinage écologique. J'ai 117 points avec Jonah. On va me faire monter à 11. Pour avoir la modernisation. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, maintenant c'est la folie, hein, ils vont tous se faire à bouffer. Tu sais qu'il y a de la salade dans le frigo quand même, Jonah, là. Tu déconnes un peu. Bravo, Jonah, tu prends un bain là. T'abuses un peu, non? Oh, mais dis donc, je savais pas que j'en pouvais. Qu'on avait de quoi faire en bougie sculptée maintenant. On peut créer une bougie sculptée, donc c'est intéressant. Je pense qu'il en fera une demain. Niveau ordure, nous avons donc récupéré ce magnifique pot de chat avec une petite plante, mais pour le coup, je le garde. Nous avons récupéré cette très belle petite télé vintage qui a l'air de fonctionner, donc je l'ai laissée ici dans le salon. Et puis, ben, le toilette qu'on a trouvé, qu'il faudra, à mon avis, réparer. Mais Tina, tu peux partir aussi, non? Il est minuit et demi. Qu'est-ce que tu touches à notre machine? Tu vas encore tout casser. Wow, c'est un réveil quasiment en même temps, là, les enfants. Allez, le premier descendu, premier... Oh là, oh là, oh là! Bon, je sais que vous avez grandi dans le même ventre, mais oh, quand même, doucement, quoi. Et aujourd'hui, Sacha va travailler depuis la maison, encore une fois.
Aujourd'hui, Sacha devra donc consulter le tableau de vote et effectuer une amélioration sur un appareil électroménager avec votre compétence bricolage et avec des pièces écologiques. Ok. Bon, allez. Elle répare le toilette dégueu, elle le nettoie, elle esponge et après on va travailler sur son travail. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle utilise les toilettes comme ça tranquille. T'es un peu bizarre quand même, t'es un peu dehors devant tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Et en plus de ça, elle va picoler le jus. Ok, et on a reçu les taxes et on doit 135 simflouz. Bon, au niveau plan d'action du quartier, on est parti sur la modernisation de promise, ça c'est cool. Ouah, il nous a trouvé un siège. Bon, siège ordure ou trésor, oui, c'est le cas de le dire, oui. Mais il a pas l'air cramé, donc c'est cool, on va pouvoir le vendre. Tandis que Miss est en train de... Oui, c'est bon, elle a consulté et ça marche, ça a validé pour son boulot. J'ai découvert le secret pour obtenir de l'influence. Après avoir décroché un emploi de concepteur civil, mon influence a commencé à augmenter. La promotion que j'ai obtenue la semaine dernière a aussi aidé. J'ai entendu dire qu'une promotion dans n'importe quelle carrière peut augmenter votre influence. Oh, intéressant, intéressant. On a combien de points? 35. Il va falloir aussi qu'on aille au truc là, le jardin, enfin le truc à voter là, l'endroit, je sais plus comment ça s'appelle, les espaces communautaires, c'est ça, pour qu'on voit à peu près ce qu'on peut y faire, quoi. Quoi? Il m'a trouvé un lit encore une fois? Mais, ouais, l'état est peut-être douteux, ça c'est sûr, mais c'est bien, merci. Bon, les criquets sont toujours en vie, mais j'ai beau les nourrir et en prendre soin, ils me donnent rien, hein. Ils me donnent plus du tout de carburant ni rien. Donc en fait, je pense que tu vas les vider. Tu vas les vider et on va en refaire parce que je pense qu'il y a un petit bug au niveau des bestioles. Alors, tu vas mettre des verres. Ah, ça va être dégueulasse. Hein. Je suis désolée pour ceux qui aiment pas ça. Mais bon. Ah ouais, non. Les fameux... On dirait que c'est des poussins. Ah la vache. La taille de ce machin. Ah, c'est dégueulasse. Oh, mais regardez. Je peux améliorer mon frigo en lui mettant une pile à combustible avec des pièces écologiques. Eh ben, tu vas le faire, ma cocotte. Parce que pour ton boulot, c'est parfait. Et du coup, on va tester la fameuse bougie sculptée. Avec Jonah. Il commence à 14h. On va voir combien d'heures ça va prendre. Ah, c'est ça, ta truc sculpté? Non, tu fais juste le moule. Après, tu vas y aller, tu vas couper toi-même dedans. Enfin, je sais pas. Ou alors, tu fais un moule adapté. Enfin, je ne sais pas. On va bien voir ce que ça donne. Ça y est, t'as fini? Du coup, il est... Empreinte écologique industrielle. Mais non, mais on a fait un truc bien, là. On l'a amélioré. On a mis une pile à combustible. Lorsqu'il est alimenté en carburant, cet objet brûlera du carburant au lieu d'utiliser de l'eau ou de l'électricité. Peut provoquer de la pollution. Ah, d'accord. Zut. Bon. Et lui, ça fait une heure qu'il attend que... Ouais, tu l'as dit, ouais. Bon, Sacha, je lui ai fait acheter des lots de fleurs. Parce que je me dis, on va peut-être essayer du jus avec des fleurs. Pourquoi pas? On va tout tester, nous. Et encore des fruits. Et bon, bah des fruits, on a encore du raisin. On va essayer des fleurs. Je sais pas si chrysanthème, ça passe. Et du... Ouf, oh mon Dieu, ça doit pas être terrible. Hein. Ah! Le voilà, il est enfin en train de sculpter sa bougie. Donc c'est ça, en fait. Il l'a moulé en mode arrondi. Et après, il y va au couteau, quoi. Très bien. En tout cas, c'est un petit peu long, quand même. Hein. Ça va faire 2h30 qu'il est sur la même bougie. Ah bah voilà, 2h30 pour cette bougie sculptée, on va la voir de plus près évidemment. La voici, la voilà. Oh bah la couleur n'est pas non plus des plus belles, hein, on va pas se cacher. Voilà la bougie sculptée. Elle est en fait elle est un peu chelou. Je crois que je préfère les bougies droites, hein, comme ça. Et elle vaut 50 simflouz. Bah c'est intéressant quand même, hein. Ça peut vite monter quoi je veux dire. Pendant que Sacha est en train d'essayer de trouver des petits trésors. À réparer. Oh, un frigo! Oh, trop cool. C'est un peu just in time, mais j'allais oublier que ça allait être l'heure. Tu vas voter pour des projets. Est-ce que toi, tu as encore 3 points? Et toi, t'en as... Ouais. Non, mais on va voir avec elle. Et toi, tu vas venir avec elle juste ici. On verra bien. Parce qu'il faut voter pour l'espace communautaire. Hein. C'est jusqu'à 18h, donc il nous reste 5 minutes. Voilà, ok, personne ne l'a fait. Super, et eh ben écoutez, on va voter pour que ce soit un marché. Hein. De toute façon, on s'en fiche d'avoir qu'une seule voix du moment que ça fonctionne. Oh bah, d'accord. Modernisation! Yes!
Les votes sont terminés et la modernisation de Port Promise commence dès maintenant. Ce port est en effet très prometteur, alors découvrons dès maintenant les améliorations contemporaines qui nous attendent. Pour commencer, les rues du centre ont été pavées avec une somptueuse chaussée expérimentale à base de gazon artificiel recyclé, de façon à créer une œuvre d'art moderne saisissante en forme d'hélice. Cette hélice historique et esthétique permet à Port Promise de rendre hommage à son passé tout en regardant vers notre avenir radieux. D'autres changements auront lieu la semaine prochaine. Yes, yes, yes! Et ça a chargé parce que on a tout de suite pris le pli et qu'on est devenu maintenant Port Promise, donc modernisation de Port Promise, c'est nous qui avons gagné. Et ici, c'est devenu un marché comme on avait voté, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? C'est absolument choupi. Et on va se mettre à vendre le peu de bougies que je n'avais pas vendues de Jonah. En même temps, j'ai rien. Après, j'ai des colorants, j'ai des ordures. On peut pas mettre des ordures sur le truc, c'est un peu bizarre. Hey, tu veux acheter ma bougie? Tu vas voir, elle est belle, elle éclaire dans la nuit. Oh là, lui, je vends plein de trucs. C'est quoi ça? Kombucha. Nox, il fait du jus, hein, lui, tranquille, Emile, hein. Oh, je crois qu'on a vendu une bougie. Oui, c'est ça. Attends, augmenter les prix, mince. Allez, 25%. Est-ce qu'on l'a vendu au prix de 50? Ouais. Oh là là, là là! Oh, on vend toutes nos bougies! Ah, mais c'est trop bien. Si c'est ça, nous, on va créer plein de bougies, hein, qu'on va vendre un peu du cul, hein. En plus, si on peut augmenter les prix à 300%, on va pas se gêner. Oui! 44 Simfouz! Oh, c'est trop cool. Elle va venir m'acheter les pièces écologiques, là. Je sais pas combien elles valent, hein, en vrai. J'en ai plus, là, dans l'inventaire. Donc, on va acheter celle que elle a fait. Voilà. Ah, ça fait 100 Simfouz le tout. C'est pas mal, hein? Ah, ça y est! Le truc, il est ouvert, là. Criquet popcorn. Repas de criquet, sauté de scarabée bombardier. Tu vas prendre des criquets popcorn. On va voir ce que ça donne. Bon, alors, ce popcorn de criquet. Ça a pas l'air dégueulasse. Il a l'air de se régaler quand même. Bon, bah, lui, il dit que c'était correct, hein. Et toi, tu manges le repas de criquet, du coup, hein. Moi, ça me tente pas trop, on dirait. Bon, j'adore les épinards, mais là, c'est les épinards criquets. Bof, quoi. Nous revoilà à la maison. Bah écoute, Cocotte, tu vas me prendre une petite douche, puis tu iras te coucher. Et toi, bah écoute, toi, tu vas bien. Waouh! La modernisation de Port Promise que nous avons donc réussi à faire passer comme plan d'action. C'est beau! Waouh! Ça en jette. Et ici, bah il y a des petites lumières. Ça, on avait vu déjà la dernière fois. Ah oui, les rues pavées comme ça. Oh, c'est classe. C'est super classe. C'est vraiment très très beau. Et oui, regardez, même les containers qui sont comme ça sur le port, ils ont des panneaux solaires. Oh là là, c'est bien. Alors j'avais mis 5 grappes de raisins. On en a récupéré qu'une? Oh oui, on a récupéré un pack. Un pack de jus, regardez-moi ça. Magnifique. Et du coup, ça coûte 56 simflouz. Bon, c'est pas hyper rentable, hein, parce que pour faire petit et tout ça, j'ai dû dépenser 43 simflouz. Donc on gagne, mais pas trop. Après, ça peut être très intéressant si on revend au marché. Oui. On refait un câlin au petit verre dégueulasse, là, et puis après, c'est dodo, hein, pour toi, Jonah. Hein. Non, mais Sacha, elle, dès qu'elle se réveille, elle va faire des recherches, quoi. C'est les plantes. Elle est obsédée avec ses plantes, un petit peu, quand même. Hein. C'est rigolo, maintenant que j'ai mis ce truc de pile à combustible. Il faut recharger la pile à combustible. Voilà, et ça utilise 2 pots de banane. Alors, petite déche salade sur la mini-télé trouvée dans la poubelle. Ouais, c'est vrai que l'écran, il est un peu... Ouais, c'est une vieille télé cathodique, hein, ça se voit. Hein. Mais c'est trop mignon! Oui, c'est vrai que... On n'a pas payé les factures. Oh, vous inquiétez pas, c'est bon, on a de l'argent. On va les payer, tout va bien. 135, ça va. Retour au câlin au verre dégueulasse. Ah oui, on peut effectivement mettre des fleurs. Eh bien, écoutez, on va tenter la chrysanthème pour le jus. On verra bien ce que ça donne. Ah bah ça va, c'est sympa. Tu dois juste consulter le tableau de vote. Alors, que dit le panneau publicitaire, j'allais dire. Je n'avais jamais vu autant de photos amateurs de gnomes et de murs. Un petit conseil, ce n'est pas parce que cette communauté accorde désormais beaucoup d'importance à l'art que vous devez prendre en photo ce que vous voyez. Oh non! Mais tu me l'as recassé! T'es chiant! Bon, heureusement... Oh, on a encore trouvé un vélo! Mais on pourra le vendre ce coup-ci. Mais t'es chiant là, Jonah. T'es casse-couillette. Tiens, bah tu vas me faire des bougies dans ce cas-là. Tu vas me faire des bougies carrées. Allez, go!
Ah, tu t'emmerdes pas trop. Rien. Ah, je suis d'accord. Ah, et puis ça fait longtemps qu'on t'a pas mis de musique, mon gars. Mais qu'elle est mime sur son petit vélo. Ouais, là, puis t'as besoin d'une sacrée douche, ma cocotte. Hein. Ok, alors, niveau ce qu'ils ont trouvé ou ce qu'ils ont fabriqué. Déjà, ça, et c'est resté. On va le vendre pour 680 Simflouz. On a un petit guéridon que notre ami a créé. Donc, on va lui mettre dans sa chambre. Voilà, c'est bien aussi pour avoir ça en guise de table de nuit. C'est mignon. On avait trouvé un fauteuil. Bon, vu le style, on va s'en passer. On va le vendre, hein, bien sûr. Ça, c'est Jonah qui l'a créé. Donc, en fait, comme je vous ai dit, je voulais remplacer les meubles. Donc, ben, on va revendre celui-là. Et le fauteuil vaut 250 simflouz quand même. Donc, on va le mettre là. Voilà. On avait trouvé une plante qui est, ma foi, pas trop dégueu. Donc, on va la mettre, ah oui, dans la cuisine. Ça va donner une petite, voilà, un petit côté nature aussi dans la cuisine qu'on n'avait pas encore. Il a trouvé un lit. Bon, il vaut que 25 simflouz, donc c'est pas comme ça qu'on va devenir riche. Il n'est pas super, mais c'est toujours ça. Mais on va le vendre. Et on a trouvé un autre frigo qui est à réparer. Et donc, on va le réparer tout de suite. Et lui, il se fait toujours chier avec sa bougie. Salut, Tina. Surtout, n'attends pas qu'on te dise oui, tu peux entrer, quoi. Non, mais ça suffit un peu. Quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Mais si c'est sale, tu nettoies, hein, madame? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah! C'est vrai que c'est censé être réparé? Elle me le répare, alors? Bon, bah, vas-y, hein. Je préfère qu'elle me le répare qu'elle me le casse. Bon, elle a réparé à une vitesse incroyable le frigo. Tu peux mettre ça dans l'inventaire. Voilà, t'as récupéré des pièces. Et... Ah! Ça y est, les verres sont récupérés. Un repas de verre, récupérer biocarburant. Prendre soin des insectes. Parce que pour son aspiration, il faut que je récupère trois trucs. Récupérer des insectes. Les cifs peuvent jouer des choses. Donc en fait, on va prendre du biocarburant. Et on va récupérer du biocarbu. Est-ce que ça marche? Ça n'a pas validé du tout, en fait. Ah, on va récupérer de nos... Oh là, c'est jaune. Ah, c'est ça! C'est du kombucha floral de chrysanthème. Mais qu'est-ce que c'est qu'un kombucha? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? 46... Oh, d'accord, 46 flouzes. Mais on peut le boire, c'est quand même une boisson, quoi. Niveau fabrication d'objets, Jonah, il est pas mal, hein. Il est à 7, presque 8. Une petite commode. C'est vrai que ça rapporte bien la thune. Allez, vas-y. Bon, 95%, on arrive au niveau 8, hein. C'est peut-être un peu long. Alors, et on va mettre cette fois-ci du houx. On va voir si c'est une boisson chelou qui va arriver ou pas. Allez, 99%. 100%! Yes! Yes, yes, yes! Allez, on va valider sur un petit niveau 8, là. Niveau 8, niveau... Même pas! Le jeu, il m'a dégoûté! Vas-y, t'as gagné plus des pourcentages de compétences en faisant une lampe que... Voilà! Niveau 8! Il peut te fabriquer le lit pour enfants avec la machine à fabriquer. Oh! Ouais, c'est dommage. Ils en auront pas. C'est dommage. J'avais oublié qu'il fallait qu'elle augmente un peu sa logique pour travailler. Sauf que son frère a pété ça, donc ben voilà. Bah écoutez, pouvez aller vous coucher après, hein. Je pense qu'il est l'heure là, minuit, 1 h du matin même. Donc tout le monde au lit. Bon, ça va réparer en moins de 2. Non, viens ici récupérer la boisson de ouf pour voir. À mon avis, ça doit être chelou ça. C'est dans un petit comme truc comme ça aussi. C'est du kombucha floral ou. D'accord, bah écoute, tu peux aller piéter. C'est vraiment bizarre, je ne sais pas ce que c'est le kombucha, j'irai voir sur internet après. Et il vaut 26 flouzes quand même, hein? Ah, c'est du kombucha de qualité, hein? Allez, c'est là-dessus que moi je vais vous quitter pour ce petit épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la découverte du LP écologie et on pourra voir l'amélioration du quartier puisque maintenant que nous avons laissé passer eh bien la modernisation de Port-Promise, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À bientôt. Ciao.